Bonsoir tout le monde. Alors, مساء الخير. مساء الخير. الو الله يرضي عليكم. الى شي واحد واش الصوت والصوره واضحه؟ الله يرضي عليكم. الو مساء الخير. اذا هذه الامسيه ان شاء الله غادي نهضروا على لا جيومتري اناليتيك دون ليسباس، الهندسه الفضائيه، سبيسيالمون بالنسبه لي كانديدا بيو. بطبيعه الحال غادي نشرح باللغه العربيه بالنسبه الى كانوا معايا يعني دي فيتور باشولي عندهم بكالوريا بالعربيه، ولكن بيان سور انا كنركز هاد لا فيديو يعني على دي زيكزيرسيس اون فرونسي، ولكن غادي نشرح لان مساله غتبقى دائما حتى هي ممكنه، وان شاء الله راه غادي ندير دي فيديو ودي لايف بالنسبه لامتحانات مباشره. الو الله يرضي عليكم. الى كان الصوت مسموع والكتابه باينه، اسكو كيلكان بو مفير سين يقدر يدير واحد الاشاره؟ Alors, on est toujours exposé à l'internet, les watkhil, yani ghadi. Donc, Allah yrdi alikoum, ila kant l'ktba bayna. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe? Wa sawt msmou'? Nsna wahed chouya. Alors, le chapitre de la géométrie dans l'espace, c'est un chapitre qui est très important. Il y a les examens du baccalauréat à la fin de l'année. C'est une partie des mathématiques qui est notée en général sur 3 points. Ou vraiment qui reste un chapitre assez facile. Si le candidat maîtrise quelques définitions et savoir bien évidemment comment les réutiliser et l'appliquer selon les questions demandées de l'examen. Alors moi je sais que je crois que la plupart d'entre vous madame la géométrie dans l'espace, mais vous allez voir avec moi avec ce soir que l'exercice qu'on va traiter tous ensemble va déjà nous permettre de définir des définitions, à savoir, la résolution de l'exercice. Je ne voulais pas faire le cours à part de l'application. Il est préférable, à partir d'un exercice, comme application directe. إذا هذه كتكون أحسن طريقة
لأن parfois le cours تيبقى دائما un peu absurde, يعني مبهم. Alors l'air d'ailikum, est-ce que quelqu'un peut me faire signe, الصوت مسموع والكتبة اللي كتبت باينة؟ Alors, comme j'ai dit que la géométrie dans l'espace, quand même, c'est un chapitre qui est abordable. Il peut le candidat facilement et décrocher les trois points d'yellow. Il y a le turquise. Bien évidemment, le mat koula wa ki tlab turquise. Maintenant, je vais dire c'est une coefficient d'yel 7. Donc, chaque question a l'importance d'yela. Encore une fois, je rappelle toujours qu'il faut gérer le temps, donc il faut se préparer. Merci, Binti Nadia, merci. Alors, j'ai dit que le chapitre de la géométrie dans l'espace, c'est un chapitre qui est assez abordable. Donc, vraiment, il faut appliquer quelques exercices. Il y a beaucoup d'exercices. Il y a des questions qui sont le plus souvent. L'exercice de c'est un exercice du baccalauréat. Alors, donc là, vous allez comprendre ce que vous allez faire avec moi. Les candidats ou les candidates, les mazal madarush, la géométrie dans l'espace. Il y aura d'autres exercices. Je vais compléter quelques techniques et des petites astuces. Je vais partir de l'insane à fond. L'insane à fond, 3 points x 7, ça fait 21 points. Plus qu'à délicat, les points d'y aller suite, il a tout des suites à part. Les nombres complexes, on aura l'occasion de traiter les nombres complexes, on dirait les rappels, les moments essentiels à connaître. À ce moment-là, des examens composés. De toutes les façons, les tahqoub farda li chanel, surtout les candidats biof, il y a kanxdem maakoum toujours des exercices li huma composés, yani murakkabin kulla huma dial wataniyat qdam jdad tout, yani ma ghadish nmchi fdik l'idée dial 2018 2017, yani j'essaie un peu de mélanger bach yemkin à chaque fois nhatak dans des conditions li huma proches dial l'examen. Ou encore une fois, j'insiste sur une chose, c'est essayer, hawlou développer nfsiya dialkoum, la manière de travailler. Il faut être sérieux, le traitement dial la had la chance hadi. Yani ila markztich maintenant, yani ou tahawl ma amkan touda toutes les chances à tes côtés. والحمد لله maintenant إذا كانت المسائل مزيانة وعندك استفسارات ولا دي غومارك نيزيت با il faut vraiment il faut oser لأنك في الامتحان غتكون بوحدك غادي يكون معك حتى شي حد هنايا الحمد لله سي لوكازيون اون اي انصومبل دونك كنحاولوا ما امكن نمدكم دي مويان pour vous aider mais راه 60% tout dépend de vous. لانك انت الوحيد راه ما غاديش تقدا ليك واحد لانفورماسيون عندك وما تتعرفش انك تستغلها في الزمان وفي المكان دونك هذا سي لو غران ديفي هذا هو التحدي الاكبر يلا دونك جو في كومونسي بار لير هاد ليكزيرسيس وغادي نوريكم كومون اون فا بروسيدي كومون غادي نخدموا هاد ليكزيرسيس
la géométrie analytique dans l'espace. Alors, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé, direct, O, I, J, K, on considère le plan P passant par le point A de coordonnées 0, 1, 1 et dont le vecteur U 0, de coordonnées 1, 0, 1 est un vecteur normal et la sphère S de centre, le point oméga de coordonnées 0, 1, 1 et de rayon racine carrée de 2. Montrer que x moins z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne du plan P. Montrer que le plan P est tangent à la sphère S et vérifier que le point B de coordonnées moins 1, 1, 0 est le point de contact. De petit a, A est orthogonal au plan P. Question petit b. Montrer que la droite delta est tangente à la sphère S au point C de coordonnées 1, 1, 0. Montrer que le produit vectoriel OC, produit vectoriel OB est égal à 2K. Déduire l'aire du triangle OCB. Alors, là, Aïza et Talaba, certainement, Nas Limadarush, la géométrie dans l'espace. Smatouchi Hwaj, comme le plan, l'équation cartésienne dit le plan, la sphère, elle filka, l'équation dit elle a. Smatou, la représentation paramétrique d'une droite, bien évidemment. Iden, Hadou, ce sont trois éléments déjà, impérativement, vous êtes obligé de les connaître, la géométrie dans l'espace. Achna Oma. L'équation cartésienne d'un plan, Ashnahiya, l'équation cartésienne d'une sphère, Dielfilka, Mamanaha, Ashnahiya, la représentation paramétrique d'une droite, Ashnahiya, and, on va parler bien sûr, quand est-ce que le plan est tangent, Imtatikun, le Mustawa, Mamas, Lilfilka, quand est-ce que la droite est tangente à la sphère, imtakatkul la droite, memessa lilfilka. Comment calculer le produit vectoriel qui va chercher el juda el muttajihi. Et nous allons terminer. Comment calculer l'aire d'un triangle kifa tatim hisab misahat mutallal. Iden hada c'est vraiment une grande partie d'iel loko. Cité qui m'a dit les cours, l'équation cartésienne du plan, l'équation cartésienne de l'espère, la représentation paramétrique de la droite et la surface de l'aire d'un triangle. Aide les définitions, on va passer pour les appliquer et vous allez voir comment on va traiter. Et donc, à la fin, Inch'Allah, vous aurez la possibilité, bien sûr, de connaître déjà une bonne partie de l'aide, le chapitre de
la géométrie dans l'espace. Alors, غادي نخليو التمرين ديالنا دو كوتي والله يرضي عليكم اللي عنده ورقه ولا اللي باغي يشوف لا فيديو من بعد انا غادي نخليها على لا شين اي هادو خصنا نشوفوا هاد لي ديفينيسيون لي ديفينيسيون اللي هضرت عليهم دونك جو ليس مون اكزرسيس دو كوتي غادي نرجع ليه alors donc غادي on va commencer Alors là, je ne vais pas répondre les questions, mais je vais bien évidemment parler de quelques rappels, les moins importants. Les points. Premièrement, on va définir l'équation cartésienne d'un plan. Deuxièmement, on va définir l'équation cartésienne d'une sphère. Troisièmement, qu'est-ce que c'est qu'un plan tangent à une sphère ? Même là, Mustawa, même S, les fiches, nous avons le paramétrie de Mustaqim. Cinquièmement, quand est-ce qu'une droite est tangente à une sphère ? Il y a le Mustaqim, même S. Li El Filka. Question numéro 6. Achna ou le produit vectoriel qui va annoncer le NASBO. Comment je le calculer? Ou la dernière question. Comment je vais définir la surface d'un triangle ABC? إذن كيفية حساب مساحة مثلث ABC إذن عندنا 7 ديفينيسيون ا كونيتر إذن 7 ديال لي ديفينيسيون خصك تعرف ديجا كوم جو بوزي دي راه تقريبا بلوس كو 60% ديال لو كور ديال لا جيومتري دون ليسباس الو دونك جي في باسي بور ديفينير اشنا هي ليكواسيون كارتيزيان دان بلان الو الله يرضي عليكم تبعوا معايا واللي عنده شي اشكال يهضر معايا ما كاين حتى مشكل قبل ما ندوزو لا ريزولوسيون ديال ليكزيرسيس Alors, l'équation cartésienne d'un plan. Normalement, on est un certain déclinement d'un plan. Alors, je vais l'écrire quand même. Alors, Alors, l'équation cartésienne d'un plan. Alors, tout d'abord, il faut savoir que cette équation s'écrit sous forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. C'est-à-dire, il y a l'équation cartésienne d'un plan. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'équation cartésienne ? Tel que le vecteur, qui est le vecteur qui est un vecteur normal, c'est très important comme donnée. Et Daniel Artaouk, l'équation cartésienne d'un plan, il faut déterminer les valeurs d'IL A ou d'IL B ou d'IL C. A ou B ou C, on a les coordonnées d'IL le vecteur Asmito. Le vecteur normal. Il donne l'équation cartésienne du plan. Il me clina
نستنجمنا لو فيكتور نورمال سي تري امبورطون كوم دوني هادشي اللي خصنا نعرفو على لو بلان عندي هنايا واحد لا كونستانت دي بيان سور في الامتحان كيطلبوا منك انك تلقاها Nous allons bien sûr montrer ça, l'exercice d'Yenna, comment on va trouver D. C'est très facile. Ce sont des questions tout simples à résoudre. Mais ce qui est important, alors maintenant, Radin Dezou, l'équation cartésienne d'une sphère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sphère? Alors, Hadlas. Alors, j'ai dit l'équation cartésienne d'une sphère. Donc, c'est une sphère de centre oméga de Lebel. Donc, il a un centre de coordonnées A, B, C. Hadlé A ou B, C, mais on a un signe. Donc, c'est d'autres paramètres. De centre oméga A, B, C et deux rayons R. Iden, ce qui t'intéresse dans une sphère, filka, le centre oméga diala et le rayon. Alors, il a arfna, le centre et le rayon. Bien évidemment, je peux établir l'équation cartésienne. L'équation cartésienne de la sphère est x moins a au carré plus y moins b au carré z moins c au carré égale r au carré. L'air fait très attention. X moins a au carré, y moins b au carré, z moins c au carré égale r au carré. Alors déjà, comme vous pouvez le remarquer, on connaît maintenant l'équation cartésienne via le plan avec son vecteur oméga de coordonnées ABC et de rayon R. D'abord, Adin Choufou, Menbed, l'application de l'exercice, comment on va jouer avec ces deux paramètres mathématiques. Alors, nous continuons toujours. Un plan tangent à une sphère. Il m'a dit que le plan m'amasse l'ilfilka. Quand est-ce? Il a dit que le raisonnement. Il a dit que le raisonnement. Alors, tout d'abord, soit S une sphère de centre oméga et de rayon R et un plan d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Il a l'art de qu'on a la sphère ou qu'on a le centre d'IELA ou le rayon ou qu'on a l'équation cartésienne d'IELA le plan. Alors dans ce cas-là, si je veux déterminer que le plan il est tangent à la sphère, je suis obligé de calculer à de la distance. D de oméga par rapport à P. La distance calculée de oméga par rapport à P. Il y a une masafa li katb3ed menha le centre de fil kaani al mustawa. Alors, head l'expression d de oméga par rapport à p, ashketsawina, multiplié par x oméga, plus b multiplié par y oméga, plus c multiplié par z oméga, plus d. Ashnahuma a, au b, au c, huma les coordonnées d'yel le vecteur normal. Et dans la tmchil l'équation, on t'kleb ala la valeur d'yel a, ou d'yel b, ou d'yel c. Achna huma x oméga ou y oméga ou z oméga.
هما لي كوردوني ديال لو بوين اوميغا ديال لو سونتر. اذا هاد لي دوني خصك تمشي تقلب عليه دو ا او كاري بلس بي او كاري بلس سي او كاري. اذا الى لاحظتي معايا ا او بي او سي سون تري امبورطونت، يعني tu es obligé de bien déterminer l'équation cartésienne ديال لو بلان باش ما تخطأ في لي فالور ديال ا او بي او سي. هذا هو السبب في البكالوريا تيقول لك مونتري كو وتكمل بيان سور الكيستيون ديالك. هذاك الشيء باش كيقول لك مونتري بان هذه هي ليكواسيون كارتيزيان. الوغ من بعد ما كنكالكوليو هاد ليكسبرسيون ديال لا ديستونس ديال اوميغا من بي، الوغ امتى لو بلون تي كونتانجون لا سفير على لا كونديسيون. Si la distance de oméga par rapport à la sphère ont une unique, un unique point en commun, le plan est tangent à S. Il a de la valeur de la distance de oméga P le rayon, tu peux confirmer ou là tu peux déduire que le plan et la sphère يعني سون طونجون اون ان بوان، يعني عندهم واحد النقطه مشتركه. وبعد الخطرات تيطلبوا منك انك تلقى هذيك النقطه، يعني نوزالو لا ديتيرميني بيان ايفيدامون. اذا الله يرضى عليكم سيت اون كيستيون اللي هي امبورطون، يعني كتعاود هذه يعني سنوات وسنوات، وين يا با دو ريزون باش ما غاديش يطلبوها لكم حتى هما في هذه البكالوريا. Alors, nous continuons. D'abord, nous avons la question numéro 4. La représentation paramétrique d'une droite. Identifiez, on va déterminer la représentation paramétrique d'une droite. Alors, la représentation paramétrique d'une droite, YED, elle s'écrit, donc c'est un système à trois équations. Alors là, vous avez vu comment l'exercice Renbi, le conquérant, je vais vous dire, il y a une méthode. Alors, il est très simple, c'est une méthode normalement, je dois faire la première année bac. Mais, on va vous dire, il y a la représentation paramétrique d'une droite, ça peut être un cas. Un système tel que x ketsawina xa plus at, y égale ya plus bt, z égale za plus ct. Achna wa le ma'na dial le système. Tel que la droite delta, il passe par a, les coordonnées dial ma xa, ya, za, haouma. Et U, le vecteur U de coordonnées A, B et C est son vecteur directeur. Had A ou B ou C, on met les coordonnées dial le vecteur directeur dial la droite. Idem, si on vous demande d'établir la représentation paramétrique, vous êtes obligé de connaître ou de déterminer que la droite doit passer par un point A de coordonnées XA, YA, ZA et connaître le vecteur directeur. Il y a seulement la méthode ou par lequel la droite il passe, où il a arrêté les coordonnées via le vecteur directeur. En principe, il n'y a aucune difficulté. La représentation paramétrique, les radines de l'Ouest, c'est l'indienne. Alors, on dit la question numéro 5. Quand est-ce qu'une droite peut être tangente à une sphère? Alors, quand il a fait le plan qui est tangent à une sphère, maintenant nous allons voir la droite qui est tangente à une sphère.
Alors, tu peux m'aider. Alors, soit delta une droite, yani li takoun delta wahed mustaqim, et S une sphère, filka, de centre oméga et de rayon R. Il a bien, si on veut déterminer est-ce que la droite delta est tangente à la sphère, qu'est-ce qu'on va calculer? On calcule. Alors, là, il y a des comptes, les élèves ou les étudiants qui sont dans la Hendasa al-Fadaïa. Ce sont des formules. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer dans ce cas-là? La même chose, on calcule la distance d'IL oméga, d'IL le centre d'IL la sphère, par rapport à la droite delta. La distance, on va la calculer. Alors, est-ce que ça a de la distance? Le module d'IL, le produit vectoriel oméga A, U. Les formules, comment on les calcule. Alors certainement, le PC, déjà, je ne sais pas, j'espère, il y en a comme de tout. Yani, le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, la force de Lorentz. Il y a le produit vectoriel. On veut déterminer si la droite delta est tangente à la sphère. Donc, on va calculer à l'expression le module du produit vectoriel oméga A U sur le module de I. Sur le module de U. Alors, cette expression, qu'est-ce qu'il signifie? Tel que la droite delta, il passe par le point A. Déjà, la droite delta passe par le point A. Le vecteur U. Et U, son vecteur directeur. Les radines jibou, la représentation paramétrique. Donc, tout ce qui est là, il a aussi dit que la relation est la relation. Tu auras besoin d'un point où la droite passe par elle. Ou tu auras besoin de le vecteur directeur de la droite. Alors, supposons qu'on a calculé elle. Alors, la condition est, si la distance d'IL oméga par rapport à la droite delta est égale à R, il y a le rayon, cela implique que la droite delta est tangente à la sphère. Donc, la condition est il est quand l'expression D d'IL oméga delta est égale à R, je peux conclure que la droite delta est tangente à la sphère. Alors, qu'il y a des cas où la distance n'a pas de la R. Le cas de la distance, nous avons dit qu'on est tangente. Nous avons fait d'autres exercices qui n'a pas de l'égalité. On va conclure d'autres, bien sûr, conclusions. Et donc, je vous laisse le temps un peu de saisir de la formule. Alors, Bilisba, la question numéro 6. Comment calculer le produit vectoriel? Comment on va calculer le produit vectoriel? C'est très simple. Il y a des choses. La formule. Comment on calcule le produit vectoriel? Alors, comment on calcule le produit vectoriel? Ah ouais. Alors,
Premièrement, j'ai besoin de deux vecteurs. Alors, soit U, un vecteur de coordonnées A, B, C, et le vecteur V de coordonnées A', B', C'. Il y en a un des deux vecteurs. Avec l'écriture U, V, Mkloba, V, se lit le produit vectoriel de U et V. Adiel, Kera, Adiela. Pour calculer C, C', vecteur unitaire I. Dulbelhad moins, moins A, A', C, C', vecteur unitaire J, plus A, A', B, B', vecteur unitaire K. Alors, Damif le repère dans l'espace tridimensionnel. Et dans Dulbelhad, vous avez comme les coordonnées des vecteurs. Diel U, A, B, C, ou V, A', B', C'. Or, Dulbel a le signe moins. Alors, comment on calcule multiplié par C, multiplié par le vecteur unitaire I, moins Heda A C', moins A'C, vecteur J, plus A B' moins A' BK. Donc, je vous laisse le temps, il y a des tulbelles, qui va calculer les déterminants. Au même temps, vous allez procéder par le calcul, on a dit le produit vectoriel sous forme d'une somme en fonction d'LI, en fonction d'LJ, en fonction d'LK. Idenada, c'est un produit vectoriel. Donc, Radichofo, comment on va l'appliquer l'exercice d'Yenna. Alors, quand on dit la dernière question de rappel fait le cours, Yesba, comment calculer la surface d'un triangle ABC? Donc, comment calculer la surface d'un triangle ABC. Alors, bien évidemment, il faut définir les points A, B et C. Alors, soit A de coordonnées XA, YA, ZA, soit B de coordonnées XB, YB, ZB, et soit C de coordonnées XC, YC, ZC. Donc, là, on a compris les coordonnées d'il y a les trois points. Il y a des choses les données, l'exercice. Alors, est-ce que ça veut dire la surface d'un triangle? À l'expression. La surface d'un triangle est égale à 1 demi module du produit vectoriel des vecteurs AB, AC. Donc, il a voulu la surface d'un triangle ABC. Dans un premier temps, tu es obligé de calculer le produit vectoriel, au tard le module d'iel d'ac le produit vectoriel l'ilkiti. Alors, on a dit comme quelques rappels. En principe, normalement, vous êtes censé connaître les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées du vecteur AB, XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. De même, les coordonnées via le vecteur AC ou XC moins XA, YC moins YA. Alors, le module d'un vecteur U, ou H, la racine carrée
de A au carré plus B au carré plus C au carré, tel que le vecteur U a pour coordonnées A, B, C. Idem, le module de la vecteur ou A de l'expression. Alors, une fois tel que le module dit le produit vectoriel dit A, B, A, C, quel que soit la juge ou quel que la surface dit le triangle ABC. Et dans le head, le rappel de cours, il est très important. Maintenant, vous allez voir comment on va l'appliquer pour l'exercice d'Yenna. Alors, j'espère, il y a quand même comme si une petite remarque, n'hésitez pas. J'ai bien détaillé Yenna, pratiquement, le rappel de cours, je vais vous dire. يلا دابا غادي ندوز ليكزرسيس ديالنا ونخدموه. الوغ غادي ندير عاوتاني اون دوزيام ليكتور ديال ليكزرسيس. اذا ليكزرسيس اللي قريت عليكم في الاول هو هذا. الله يرضى عليكم، راه معايا التليفون اكوتي، راه جي سيري داجوستي ليماج، دونك تنشوف الا كانت الصوره هربانه راه كنقادها. دونك هذا هو ليكزرسيس اللي غنطبقوا فيه جميع هاد العلاقات اللي شفت معكم. يلا جو في كومونسي باغ رولير لينونسي ديال ليكزرسيس. لو بلان بي باسون بار لو بوين ا دو كوردوني 0 1 1 اي دون لو فيكتور يو 1 0 1 ايت ان فيكتور نورمال et la sphère S de centre, le point oméga, de coordonnées 0, 1, 1, et de rayon racine carrée de 2. Question numéro 1, petit a. Montrer que l'équation moins de est une équation cartésienne du plan P. Et dans l'ordre de ma baccalauréat, comme l'équation d'elle, le plan, vérifie bien, il est bel et bien l'équation cartésienne d'elle, le plan. Il a l'équation. Alors, petit b, montrer que le plan P est tangent à la sphère S et vérifier que le point B de coordonnées moins 1, 1, 0 et le point de contact. Et donc, on va utiliser la relation. Comment on va trouver un P est tangent à S et nous allons vérifier bien que le P est le point de contact. Alors, question numéro 2. Petit a, déterminer Tariqa, qu'on va déterminer la représentation paramétrique. Ardulbel, à Tavna Wahdumorta, Anna la droite, il passe par le point A et orthogonal au plan P. Alors, pour la question petit b, montrer que la droite delta est tangente à la sphère S au point C de coordonnées 1, 1, 0. La dernière question, montrer que le produit vectoriel OC, OB est égal à 2K. Il y a une calculée, le produit vectoriel, on a 2K. Il y a une autre expression. Alors, si vous avez des suggestions, faites-les. Il y a quand même un mot, c'est ce qu'on veut. Alors, bien sûr, j'ai travaillé l'exercice, j'ai détaillé toutes les réponses, même si tu n'as pratiquement aucun détail. Mais regardez, tu vois la réponse vidéo.
Alors, nous d'abord à la première question. Alors, montrons que l'équation x moins z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne du plan P. Alors, le plan P passe par le point A, c'est une coordonnée de l'exercice, de coordonnées 0, 1, 1. Et, attends, on a le vecteur U de coordonnées 1, 0, 1 est un vecteur normal de l'équation du plan P. Idem, le début d'iel, la capsule, bien l'équation d'iel, le plan, il s'écrit AX plus BY plus ZZ plus D égale à 0. Attends, on a l'équation est égale à 0 et C est égal à 1. Égal à moins 1, pardon, est égal à moins 1. Idem, on a moins Z. Donc, l'équation d'Iana s'écrit x moins z plus. Je dois faire une rectification. Alors, donc là, j'ai rectifié. L'Iana, je vais faire les calculs. Alors, donc, l'équation critère x moins z plus d. Mais normalement, je dois déterminer d. C'est-à-dire, c'est le cas. Alors, comment je vais trouver d? Le plan P passe par le point A. Si le plan P il passe par le point A, cela signifie que les coordonnées d'IL A vérifient l'équation cartésienne d'iel le plan. Et donc, je peux remplacer x par sa valeur, y par sa valeur et z par sa valeur pour l'équation d'iel cartésienne d'iel le plan parce qu'il y a la valeur de d. Et donc, je récapitule. Attends, on a le vecteur normal les saadna parce qu'il y a A ou B ou C. Attends, on a le point A les radis saadni parce qu'il y a le point, yani le paramètre d. Alors, déterminons D. Le plan P passe par le point A de coordonnées 0, 1, 1. Donc, les coordonnées du point A vérifient l'équation de P, les x moins z plus d égale à 0. On a le plan. Donc, radirilo, l'équation cartésienne d'un autre plan, où il passe par un point où attaque le vecteur normal. Alors, il clique là. L'équation cartésienne va être tariqa sahla. Bien sûr, il y a d'autres méthodes. Les machines, je fais l'exercice, je vais vous montrer une belle. Donc, j'espère que c'est clair de la question. Alors, on va passer à la question petit b. Montrons que le plan P est tangent à la sphère S. Idem, on bino, on a le plan P, il est même S, l'ilfilka S. Et bien, je vais vous dire la question au début, il a bien un le plan P est tangent à la sphère, on va calculer une distance. La distance d'elle le centre oméga par rapport au plan.
Donc, c'est ce que nous avons vu le rappel de cours au début de la capsule. Alors, pour montrer que le plan P est tangent à la sphère, comme je vous ai dit, on va calculer la distance d'iel oméga par rapport au plan. Voilà, comme a dit P, il y a l'équation cartésienne d'iel le plan, les y a x moins z plus 1 égale à 0. Donc, la distance d'iel oméga par rapport au plan P égale valeur absolue d'iel x oméga multiplié par 1. L'ennaya a égale à 1, moins z oméga multiplié par, normalement, par moins 1, plus 1. Alors, x oméga et z oméga sont les coordonnées d'iel le centre, à Oma, 0, 1 et 1. Alors voilà. Alors, il suffit seulement de calculer, de remplacer. Alors, on va trouver que ces distances. Excusez-moi, je vais oublier mon temps. Alors, cette distance oméga par rapport à P est égale à 1 plus 1 sur racine carrée de 2. Alors, on va trouver que cette distance est égale à 2 sur racine carrée de 2, qu'on va calculer pour trouver que cette distance égale racine carrée de 2 est égale à R. J'ai détaillé pratiquement tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque déjà que le racine carrée de 2 est égal au rayon, ce qui explique que le plan est tangent à la sphère. Et donc, qu'est-ce qu'on déduit comme remarque? Le plan est tangent à la sphère, il est quant à de la distance de oméga P qui est égal à le rayon. Donc, il y a la règle, le rappel de cours. Au début de la capsule. Donc, le plan P est tangent à la sphère S. Alors maintenant, on va vérifier ou vérifions que le point P de coordonnées moins 1, 1, 0 est le point de contact. Il y a un octate. Donc, نقطة المشتركة ما بين P والفيلكا. إذن, comment on va montrer ben, le point? Vérifier que P de coordonnées moins 1, 1, 0 est le point de contact. Alors, bien évidemment, dans un premier temps, on va vérifier que P appartient au plan BEDA. إذن, نبينو أن P تنتمي إلى المستوى P. Alors, il suffit de remplacer les coordonnées d'ILP l'équation cartésienne d'ILP. Alors, en remplaçant, on va trouver que Yanni, moins 1 plus 1 égale à 0, 0 égale à 0. Donc, l'égalité est vérifiée. Donc, équivalent à dire que B, il appartient au plan P. Yanni, haja sahla. Wesh B, katntami le mustawa. Les coordonnées d'IELA ou l'équation cartésienne. Maintenant, on va montrer ou vérifier que B il appartient à S, le filka. On va montrer que B appartient aussi à la sphère. Alors, quel mchiu ou quel hsbou la distance B oméga. On va calculer à de la distance.
Alors, la géométrie dans l'espace, comment calculer une distance? B oméga égale à l'expression racine carrée de x oméga moins xb au carré plus y oméga moins yb au carré plus z oméga moins zb au carré. Il aboutit de calculer la distance. Alors, on remplace x oméga par ses valeurs, xb par ses valeurs. La distance b oméga égale à racine carrée de 2. Le résultat, donc c appartient à s. On a bien. Alors, on a calculé la distance b oméga à l'expression d'IA. Racine carrée de 2. Il est sur donc C appartient à S. On vient de démontrer bien B il appartient à P. Donc P est le point de contact entre P et S. Alors donc, d'où B de coordonnées moins 1, 1, 0 est le point de contact entre le plan et la sphère. Alors d'abord, nous avons la deuxième question. Représentation paramétrique de la droite delta passant par A est orthogonale au plan P. الو الله يرضي عليكم ردوا البال هاد لابخاز راه عاودت كتبتها كاملها لان فيها واحد المعطى لا بد ما غادي نستنتج منه واحد المعطى اللي غادي يعاونني في لو كالكول ديالي هنايا ريبريزونطاسيون باراميتريك دو لا دروات دلتا سي بيان il passe par un point A ولكن اشنو هي المعنى ديالها اورتوغونال او بلان ما معنى اورتوغونال il est perpendiculaire au plan هاد ليكسبرسيون ديال اورثوغونال او بلون اشنا هو النتيجه او لا كونكليزيون اللي غادي نستنتج منها و tu connais déjà l'équation cartésienne ديال لو بلون tu dois conclure que le vecteur normal ديال لو بلون il est le vecteur directeur ديال la droite هاد la phrase هادش لايقه لأن une droite لا بد إلا بغيت نصاوب la représentation paramétrique ديالها محتاج le vecteur directeur هنا في هذا لوكا ديالنا عطاتني la droite أنها perpendiculaire le plan يعني أن le vecteur normal ديال le plan هو le vecteur directeur ديال la droite tout simplement غادي تمشي وتاخد les coordonnées ديال داك le vecteur ديال le plan normal aura des terres d'eau ou le vecteur directeur de la droite. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Yalla. Tout d'abord, delta, il est perpendiculaire à P, il est orthogonal. Ce qui implique que le vecteur normal, les coordonnées de U, 1, 0, moins 1, est un vecteur directeur de delta. إذن هذا هو هذا الشيء اللي شرحت لكم دابا إذن maintenant nous allons établir la représentation paramétrique اش خصني ندير quel que soit m de coordonnées x y z appartenant au plan يعني quel que soit im يعني un point m لأن la droite c'est un ensemble de points de coordonnées x, y, z appartenant au plan, bien sûr, au plan de l'espace, et le plan géométrique dans l'espace. Alors, tout le bel maïallah, comme le raisonnement, vous êtes obligé de le faire. Alors, je peux dire,
Alors, je vais commencer. Alors, M, idem la légalité est vérifiée. Quand est-ce que deux vecteurs sont égaux, ou plutôt sont égaux? Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Il y a les coordonnées d'Yelada qui sont les coordonnées d'Yelada du vecteur. Yani, cette équivalence équivaut à x moins xa est égal 1 fois t. Y moins YA égale 0 fois t. Z moins ZA est égal moins 1, est égal moins 1 fois t, avec t appartenant à R. Alors, 1 ou 0 moins 1. Les deux ne sont que les coordonnées le vecteur U. Iden, je vais écrire autrement le système. Donc, x égale xa plus t, y égale ya plus 0 fois t, donc ça fait 0, donc y égale ya, z égale za moins 1 fois t. Alors, le système devient alors, ou la représentation paramétrique devient alors, x est égal à t. Y est égal à 1 et z égale 1 moins t avec t appartenant à R. Iden hadi, il y a la représentation paramétrique d'une droite. Et dans le compte, on commence toujours par l'équivalence. M appartenant à delta équivaut vecteur AM égale le vecteur U. On établit le système d'IL. Alors, question petit b, montrant que la droite delta est tangente à la sphère S au point C de coordonnées 1, 1, 0. Et d'aller là, la première partie, le plan tangent à la sphère. Maintenant, nous allons montrer que la droite delta est tangente à la sphère en un point C de coordonnées 1, 1, 0. Alors, fait le cas, j'aurai besoin des coordonnées d'élève, le vecteur C oméga. Alors, par la suite, je vais calculer la distance C oméga. Je vais calculer la distance C oméga. Alors, cette distance, c'est x oméga moins xc au carré, plus y oméga moins yc au carré, plus z oméga moins zc au carré. Donc, il suffit de remplacer les coordonnées. Racine carrée de 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que c, il appartient à S, c'est-à-dire la sphère. Alors, on a aussi c de coordonnées 1, 1, 0 appartient à la delta, en principe. Alors, pour montrer et vérifier, on va calculer CM point U. Le produit scalaire. Il y a une différence entre le produit vectoriel et le produit scalaire. Ce n'est pas la même chose. Idem, C scalaire qui va nous permettre de tirer de la conclusion. Donc, j'ai dit, on a trouvé que C oméga égale racine carrée de 2. Donc, C, il appartient à S. Le point C appartient à la delta. On va calculer le produit scalaire C oméga U.
Alors, comment on calcule le produit scalaire? Alors, comment calculer le produit scalaire? Alors, C oméga produit scalaire U égale, alors, moins 1 multiplié par 1, plus 0 multiplié par 0, plus moins 1 multiplié par moins 1. Alors, je vais trouver que le produit scalaire est égal à moins 1 plus 1 est égal à 0. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs est égal à 0. Cela signifie que la droite delta est tangente. Pardon. Alors, on a trouvé le produit scalaire est égal à 0, ce qui montre que les deux vecteurs C oméga est perpendiculaire au vecteur U. Ils sont perpendiculaires. Alors, s'ils sont perpendiculaires, donc normalement, la droite delta va passer en un point C, il y a tangente. Donc, je peux conclure que la droite delta est tangente à S au point C de coordonnées 1, 1, 0. Pour certains d'entre vous, il m'a bien fait. Alors là, j'ai fait un petit rappel. Comment calculer le produit scalaire? Il y a le rappel. Il y a de la définition, tu peux l'appliquer ici facilement. Mais le produit scalaire, l'acheteur en première année bac en principe. Alors, rappel, soit U, un vecteur de coordonnées x, y, et V, un vecteur de coordonnées x prime, y prime, z prime, le produit scalaire des vecteurs U et V, pardon, le produit scalaire des vecteurs U et V égale à quoi? X, x prime, on multiplie les abscisses, Y et Y prime, on multiplie les ordonnées, on les ajoute, plus Z, Z prime. Donc, on ajoute le tout, la somme, le produit scalaire. Alors, la règle, est-ce qu'il y a une règle? Si le produit scalaire des vecteurs U et V est nul, je peux conclure que les deux vecteurs sont perpendiculaires ou là, ils sont orthogonales. Le produit scalaire nul, et donc il y a un C oméga U sont perpendiculaires ou la orthogonale. Maintenant, ils sont orthogonales, ou un C il appartient à la droite delta, ou C il appartient à S, donc la droite delta est tangente à la sphère S. Alors, on a deux petites questions. Alors, la question numéro 3, ils vous ont demandé, montrons que le produit vectoriel OC, OB est égal à 2K. D'ailleurs, comme le bal des écritures, donc, Néa, produit vectoriel OC, OB est égal 2K. Alors, comment on va déjà calculer le produit vectoriel? Attends, comme déjà la définition. Alors, on a le point C de coordonnées 1, 1, 0 et le point B de coordonnées moins 1, 1, 0. Attends, là, on a le point O. Parfois, qui a-t-il le point O? Soit les nombres complexes ou la géométrie dans l'espace, ma carte, les coordonnées d'Yala, Marlofin. O, il y a le repère, le centre, donc les coordonnées d'Yala, il y a 0, 0, 0. Et n'y a qu'on t'arrête. Alors, premièrement, pour calculer le produit vectoriel, j'ai besoin des coordonnées d'Yala, le vecteur OC.
إذا شنو هو لي كوردوني ديال لو فيكتور او سي؟ هو 1 1 0 هي سي. شنو هما لي كوردوني ديال لو فيكتور او بي؟ هي بي. دونك هي موانز 1 1 0 تو سامبلومون. دونك لو برودوي فيكتوريال او سي او بي j'applique la règle. Donc 1 1 0 0 i moins 1 moins 1 0 0 plus 1 moins 1 1 1 k. Alors je calcule les déterminants, comme l'expression. Et dans ça, il y a 0 i moins 0 j plus moins moins 1 k est égal à 2 k. Vectoriel OC OB est égal à 2K. Alors maintenant, il me reste la dernière question, c'est de calculer la surface du triangle OCB. Alors on va calculer la surface du triangle OCB. OBC, OBC. Alors, la surface du triangle est égale à 1 demi le module du produit vectoriel OC, OB. Donc, elle dit à la surface. Alors, remarquez dans cette relation, là, on l'a calculé le produit vectoriel OC, OB, le Kinayeshal. Il y a 2K, je vais remplacer par sa valeur. Le module d'IL 2K, il y a 2 au carré, racine carrée de 2 au carré. Donc ça fait racine carrée de 4 est égal à 2. Donc la surface S est égale à 1 demi multiplié par 2 est égal à 1. Au maintenant, il ne faut pas oublier UA, unité d'air. Et voilà, c'est un exercice de terminal. Il y a 3 points. Ça fait 21 points déjà en ta faveur, les maths. Alors, l'utilité d'IELHED, le Moubachir. كما كتسمعوا هو اننا يعني كنكون عن تواصل مباشره الى باقيين معايا بيان سور دي ستوديون ومن هنايا انك كتعرف دونك ديجا الى بغيتي عاود لا فيديو خذ لي تكنيك دو كالكول وكم سا tu peux يعني Alors, qui m'a l'air d'ailleurs, comme je vois ici qu'il y a quelques coupures, toujours. Alors, c'est vrai, il y a des coupures, mais de toutes les façons, l'air d'ailleurs, vous aurez le temps de revoir la vidéo. Alors j'espère que bien on a abordé toutes les questions. Alors les commentaires de la vidéo, j'aimerais bien Nasli Kanoumaya, si qu'est-ce que vous proposez demain à 21h30, quel genre de matière britul khdmo ensemble, yani goulou aliya les commentaires. On va travailler de même. Demain, vous avez le choix entre la physique, la chimie et les SVT. Et donc, goulou, achna ouma, le mawadé, elle est en train de pour les bio. Alors, donc, ma bkalia, il a, merci. Il a pris tout maïa jusqu'à la fin. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien, bon courage. Et bonne soirée.